Bon bah c'est ici qu'on s'est retrouvés la dernière fois. On m'avait donné comme défi de me faire soit 100 000 deniers, soit de remporter une sorte de tournoi à l'arène. Déjà ce qu'on va faire c'est tout simplement, bah, on va voir ce que ça donne déjà. Je sais que c'est super dur. Enfin en tout cas j'ai jamais réussi à y arriver. Donc ce qu'on va faire c'est que voilà, je vais m'entraîner, histoire d'XP un peu. Enfin... Alors, j'avais une astuce. C'est que je mettais un bouclier dans le dos, comme ça si on me tapait dans le dos ça me protège quand même. Parce que là on est à poil hein, quand même. Oh connard, il y a aussi... Je restais bloqué en l'air comme ça. Ouais j'y arrive. J'ai pas assez d'expérience. C'est un coup de ganon, je suis sûr. J'ai pas le niveau. Donc je parle, ça me donne un peu de thune. Pour gagner 100 000 deniers par amende, parce qu'il y a dit Lord Bacon, c'est qu'il y avait une astuce. Mais je la sais pas, puis je préfère la deviner par moi-même. Il y a des bons moyens de se faire un peu de thune, c'est de remporter des tournois, mais j'ai pas assez de force. Déjà, faut que j'XP. Alors, on va voir si je peux pas marchander un peu, histoire de me faire un peu d'argent. Non, mais attends, je suis nul en marchandage. Évaluer les prix de la région. En fait, là, ce qui fait le personnage, en gros, il voit quel commerce marche le mieux. Nara, c'est super loin. Suno, c'est pas trop loin. Donc, on va faire Suno. Faut acheter du poisson fumé pour le vendre à Suno. Hop, donc, direction Suno. En espérant que je croise pas de foutus bandits trop nombreux pour moi. Et c'est eux qui m'ont... C'est ceux qui m'ont capturé, ils ont des... Mes soldats à moi, vas-y, je vais me venger. Ils vont craindre le nom de Arquignan. Que voulez-vous ? Comme vous voudrez, préparez-vous à mourir. Quel sens de la répartie ? Je viens, ce que j'essaie de faire, c'est de me mettre un point assez surélevé pour mieux viser. Bon, c'est chiant à recharger les arbalètes, n'empêche. Ah, putain. Quel fail. Ouais, on a réussi. Voilà, j'ai sauvé mon soldat, j'ai récupéré. Je peux pas le capturer, faut que j'apprenne une compétence spéciale pour ça. Mais c'est pas grave pour l'instant. On va faire un tour par Veluca d'abord. On va recruter d'autres bonhommes. Voilà, donc ça y est, on a une autre revanche. On va pouvoir redémarrer sur un bon pied. Suno, ah, je peux revendre des olives à Suno vu que c'est là-bas que j'y vais, j'en profite. Ah, là je pourrais parler au seigneur, c'est d'avoir quelques missions, mais je vais d'abord faire un petit peu d'argent. C'est des trucs du genre envoyer une lettre. Ah, il y a un tournoi. Bon, j'ai pas le niveau de le faire, le tournoi, ça vaut pas trop le coup. Bon, je vais quand même faire le tournoi histoire de m'échauffer. C'est un gros bordel. Éliminé dès le premier tour. Oh là là là, j'ai vraiment du chemin à faire. Hein ? Ah, je peux me battre au tour suivant parce que je me suis assez bien battu pour ça. Ah, j'aime bien quand ils sont bloqués comme ça, c'est rigolo. Je vais essayer de me combattre à la loyale quand même parce qu'il est tout seul. C'est tout ? C'est tout ? Mais ne me bloquez pas, vous êtes mes alliés ou quoi là? Trois équipes de 1. Non, pas le cheval. Faut-il moyen que je gagne le tournoi? Il y a encore un tour. Un contre un. Ouais,
tellement épique. Et putain, mais laisse-moi le temps. Le problème du temps, c'est un non-problème. Oh putain, les deux en même temps, ça c'est de la force. Ouais. Aïe aïe aïe. Voilà, j'ai gagné le tournoi, je me suis fait un peu de thunes, voilà, putain. C'est bon ça. Ça c'est bon. J'atteins le niveau 3 en plus, oh mais c'est magnifique. Ah, gestion des prisonniers, ouais, ce serait bien que je puisse me faire des prisonniers, parce que les prisonniers, après, une fois qu'on les a capturés, on peut les revendre. C'est assez dégueulasse, mais voilà, c'est comme ça, c'est un très bon moyen de se faire de la thune d'ailleurs. Dès que j'arrive, je revends les marchandises. Attends, il n'y a pas assez de thunes. Waouh, vas-y. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir quelle marchandise je peux ramener chez les verts, chez les Rodoc. Rien, évidemment. Je peux même pas revendre ce manœuvre poisson, quoi. Bon, limite, je peux la revendre là, mais... Ouais, bon, bah, je vais la revendre là, marchand de chevaux, tiens. On va voir la taverne, s'il y a des mercenaires, des rançonneurs, voilà, c'est chez eux qu'on peut ramener les bonhommes, et se faire un peu de carrière. Ça fera 3 bonhommes un peu expérimentés, ouais. Ça. J'ai peut-être des courses, il me suffit de 757. C'est pas énorme. Ah, des cavaliers. Je sais pas si j'aurai la thune. Ouais, non, j'ai absolument pas d'argent. Je vais rester un peu sur les verts, hein, les Rodoc. Hein. D'habitude, je suis plutôt de ce côté-là, alors ça va me changer un peu. Quoi. Les parties que j'ai fait jusqu'à là, c'était rarement ici, c'est pour ça que j'ai choisi, en quelque sorte. J'en peux cliquer au hasard aussi. Mais... Tiens, vas-y, je vais parler à lui. Je sais pas qui c'est. Je vous connais. Je suis parti. Je vois que vous portez la main, je regarde dans les boutons, si c'est le cas, je vous demande récemment de faire garder pour vos amis, avec un manière, j'ai probablement travaillé de recruter une compagnie de prochaine. Oui, je vais faire ça. Je vais faire ça tout de suite parce que ça va me rapporter un petit peu de sous. Après, bien sûr, vous devrez faire une déclaration solennelle d'allégeance et me faire le serment que votre compagnon restera au service du royaume des Rodocs pour une durée minimale de 3 mois. Vos ennemis sont mes ennemis. Oui, fait, vous avez pris une sale décision, mon ami. Vous êtes très bien, c'est pas tant fidèle. Vous recevez beaucoup de responsabilités. Je vous suggère de vous préparer pour une campagne importante, d'entraîner équipé aux soldats du mieux que vous pouvez pour l'instant et réagissez rapidement lorsqu'on vous appellera à devoir. Ok. Ah d'accord, c'est la guerre contre les Saranides. J'ai de l'oseille. Je suis roi Gravel. Vous devez encore me montrer que vous êtes un commandant compétent, Arkinian. Retournez votre épée. Je suis comte Garmal. Vassal du roi Rodoc et seigneur de Buvrane, Serindia. Avez-vous une tâche quelconque à mon fils? Buvran. Alors, Buvrane. Ça va, c'est pas loin. Parce que des fois, ils nous font traverser toute la carte juste pour assassiner un petit bonhomme. Ouais, je suis très loin des 100 000 deniers. Hein. Ah, on voit là sur les annonces, là, ce qui se passe dans le monde. En fait, là, on voit. Voilà ce qui est assiégé, qui a été attaqué par qui, tout ça. Genre, je dois trouver un mec. En général, ils sont dans des coins improbables de la ville, vraiment super cachés. Que voulez-vous? Je cherche un meurtrier. Vous répondez à sa description. Je ne crois pas, monsieur. Je n'ai jamais tué personne. Je pense que vous faites erreur sur la personne. Alors lâchez votre épée. Si vous êtes innocent, vous n'avez rien à craindre. Je n'irai nulle part. Vous allez devoir gagner votre argent aujourd'hui. Pas de problème. De toute façon, je n'ai besoin que de votre tête. Allez au diable. Ah fils de... C'est parce que tu veux, tu fuis ou tu m'attaques? Je vois, ils en ont rien à péter, quoi. Je viens d'assassiner un mec sous leurs yeux. Ils en ont rien à foutre, quoi. Bien le bonjour, monsieur. Que j'ai la dernière rumeur dans le coin. D'accord. Alors, parler à comte Garmal. Bon, je sais pas où il est maintenant, il est. Ah, c'est peut-être lui. Ouais, c'est lui. Oh, putain. Tu vois pas que je veux te parler, là? Eh bien, Arkinian, what is it? J'adore ce jeu, comment il est super bien traduit, c'est juste magnifique. Ah là, je prends l'argent parce que c'est ça qui m'intéresse. Hop, sinon j'aurais pu juste gagner de l'honneur, hein, mais là j'avais besoin d'argent. Et j'ai besoin d'envoyer une lettre, ouais, bien sûr. Alors, je dois aller où? De Culmer. Oh putain, c'est loin.